Coucou les amis, alors aujourd'hui on part du côté de Roquelatour dans les Ardennes. Dans les Ardennes françaises. Voilà. Donc avec papa. Ouais, comme d'habitude. Timéo. Et moi-même. Donc suivez-nous. Papa est pas Voilà les amis, on est arrivé. Là-bas. C'est qui là? Et là-bas, on a trouvé des petites tables de pique-nique pour déjeuner, pour manger plutôt. Ne dis pas de regarder. Hop, attends. Et là, hop. Et voilà. On a la chance de trouver. Et non, normalement, peut-être qu'on verra ça, ça et ça. Et attends, ça implique quelque chose. On a tout ça à faire. Ça implique quelque chose. C'est ça. Ouais. Et voilà. Donc nous, on va manger et on vous reprend tout à l'heure. Un petit peu de travail. Bah, il va essayer de prendre le chemin le plus court. Hop. Il a mis en 3 pour monter. Oh. Papa Timéo, ils sont montés. Mais attendez, je vais vous faire voir la belle vue. Regarde la belle vue. Juste là, normalement, là, à mon doigt. Là, il bronze, on va essayer
aller voir. Moi, je sais que depuis que j'étais là, pourtant c'est des 110, mais c'est plus des saisons. Ah ouais. Ils se rapprochent plus. Non, ils se rapprochent. Écoute, c'est des 110. Et quand je les mesure avec les 110, et ben, ils sont plus grands. Et depuis que je suis là, je trouve que j'ai plus. Si j'attrape, tu le caresses? Ouais, vas-y. Attention, on peut prendre. Hein? Donc, si je l'attrape, tu caresses. Ouais. Mais par contre, il faut l'attraper doucement. Trop rapide. Papa, il est passé. Allez, c'est pas grave, on va aller en voir des êtres. Bah oui. De toute façon, il y a des êtres, hein, Timo. Ça fait le deuxième que tu vois. Ça fait déjà le deuxième qu'on voit là. Sur quoi? Sur 5 minutes? Ouais. C'est un gros rocher, hein, Timo. Ah, en fait, regarde, il y en a un en dessous là. Ouais, et après, il y en a un qui est venu par au-dessus, et hop, c'est. Et après, la terre qui s'est enlevée. Ça fait bizarre, hein? Ouais. Normalement, ici, c'est pas le site du château endiablé, là, je sais pas trop. Il est juste là derrière toi. Ah, il est juste là-bas derrière. En fait, normalement, il y a un truc, en fait, c'est que il y a le rocher avec le diable qui aurait fait. C'est un château. Un rocher. Voilà. Pourquoi j'ai pas envie de dire ? Je mettrai un extrait. Ah oui, il est juste là. Voilà, en fait, il est juste là. On verra mieux après. Donc, ouais, ici, bon, on essaye. D'aller là-bas, mais moi je passe par les roches. Timéo, il va passer dans mon bar de côté. Mais moi, je passe par les roches. Pour voir un autre point de vue. Oh, encore un lézard. Oh, il y en a plein. Je sais pas si vous les voyez. Regardez, il y en a encore un là. Il y a plein de lézards. C'est fou. Alors, dites-moi en commentaire ce que ça pourrait être. Parce que moi, je connais pas du tout. Salut. Il est je sais pas où. Peut-être dans l'interstice. Ouais. Mais, en tout cas, on en a vu tout plein quoi. C'est ça qui est cool. C'est que on pensait pas voir autant. Elle a vu. De quoi? C'était le. La légende dit qu'un seigneur désargenté aurait, pour plaire à sa belle, vendu son âme au diable en échange de la construction d'un château. L'empilement des rochers évoque les ruines du château, dont la construction inachevée est, selon la légende, attribuée au diable. Irréprochable. Moi je kiffe la forêt plutôt que la mer. Maintenant voilà quoi. Faut choisir. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous êtes mieux à vous. Forêt ou mer? Bon, le week-end passé on a fait la forêt. Le week-end passé on a fait la mer. Là on fait week-end complètement forêt. On fait toutes les Ardennes. Ouais. Bon, c'est le top. Franchement, enfin moi j'aime bien. Et tout ça. Là on a vu que des lézards pour l'instant. On n'a pas encore vu d'autres animaux. Peut-être. Hein. Qui suis-je? On en verra peut-être. Papa et Timéo qui partent en aventure. C'est calme, sans voiture, sans pollution. Ça, c'est trop bien. C'est...
Oh, ça, c'est génial. Thank you.